Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo revue de troupe. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait une. Il faut dire que j'avais été un peu feignant ces derniers temps, ces mois derniers, sur le pinceau. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de figurines de peintes. J'ai remis un peu la gomme. Donc, je vais vous montrer un peu ça. Donc, on va commencer par du 15 mm destiné à DBA. Avec de la figurine Essex. Donc là, c'est des archers. Donc destinés à une armée romaine fin d'empire, hein, vu l'allure qu'ils ont. Ensuite, on va passer à de l'auxiliaire romain, toujours. Par contre, ceux-là sont début d'empire. Donc, on va attendre que ça fasse le point. Et pas décidé si quand même. Donc voilà, on est au début de l'auxiliaire du début de l'Empire romain. Hein. Je remarque que sur l'image, ils sont un peu palots, mais mes auxiliaires. Bonne figurine Essex. J'ai mis un peu de lumière pour voir si ce con de portable fait un peu mieux le point. Voilà, donc ça, auxiliaire romain, donc ouais, donc. Destiné à une armée romaine DBA. Ensuite, de l'auxiliaire encore, mais alors cela plus tard, beaucoup plus tardif. Ouais, ça vous entendez, c'est mon chat qui miaule. Pas heureuse de la vie. Donc cela, ouais, ça serait plutôt pour une armée romaine du 3e siècle. Et là, encore de l'auxiliaire, mais cela, donc fin d'empire. Hein, on est. Donc ça peut faire autant. Autant empire d'Orient ou d'Occident. Hein. Donc figurines Essex, hein, toujours. Hein. C'était toutes des figurines Essex. Ouais, là, y a pas mal de qualité de figurines quand même. Portable lui est de moins bonne qualité parce que vous voyez, ce connard a du mal à faire le point. Dernière plaquette, bon, c'est un peu tous les mêmes. Hop, quand c'est tordu avec les figurines en métal, on n'est pas embêté. Et pour terminer, 15 mm de la cavalerie romaine auxiliaire, figurine Essex toujours. Donc cela, c'est ouais, pareil, hein, on est début d'empire. Hein. Voilà. Donc tout ça destiné à faire au total, je pense, deux armées romaines. Voire trois peut-être. Mais enfin deux sur une début d'empire et une fin d'empire. Voire deux fins d'empire, puisqu'on peut faire Orient-Occident. Ça varie pas beaucoup.
Allez, on passe à la suite. Là, on va passer au 1,72e. Avec du napoléonien, évidemment. Avec un 4 plaquettes d'infanterie française. Période 1807-1812. Figurines hâte, hein, vous les connaissez, c'est pas les premières que je peins. Alors elles sont pas toutes. Sont pas toutes hâte. Vous allez voir, puisque voilà, celle du milieu, c'est une figurine impression 3D, un porte-drapeau. Avec un tambour et un officier. Voilà, comme ça. Alors les drapeaux sur la table de jeu, c'est pas mal. Ça fait un peu, ça embellit un peu. Et des fois, pour identifier, je sais pas, une unité de vétérans, ben on met quatre plaquettes, un drapeau pour faire la différence avec d'autres unités, par exemple. Voilà. Alors, on va continuer avec des drapeaux. Parce que là, j'ai fait trois plaquettes de drapeaux pour ajouter à mon armée autrichienne. Donc ça, ce sont des figurines hâte, hein, de la boîte de commandement qu'ils ont fait. Donc avec un officier, un porte-drapeau, un soldat. Alors j'ai essayé de peindre la hampe du drapeau comme les Autrichiens l'avaient. Hein. Je dis bien j'ai essayé. C'est-à-dire, normalement, le dessin n'est pas tout à fait comme ça. Les couleurs, c'est ça. Hein. C'est noir, rouge, jaune, blanc. Et ainsi de suite. Et on reprend. Voilà. Donc là, je les ai fait aux couleurs des régiments déjà que j'avais peints. Alors ça, c'était peint à la méthode ancienne avec une couleur de base, un lavis, puis un éclaircissement. Alors ça n'a pas été fait à la contraste. Bon, la figurine, sont ce qu'elles sont. Bon, ça reste. Ça reste correct vu à distance de jeu. Voilà, en fait, ça me servira pareil à identifier des régiments de vétérans ou alors pour la campagne de 1809, comme ils ont des gros régiments, comme une règle, comme bataillon Empire, faut six socles. Hein. Ben, j'en rajoute un. Déjà un socle de commandant avec le drapeau, plus un autre socle de grenadier par exemple, et j'ai mes six socles pour représenter les gros régiments. Alors, maintenant on va passer à de la cavalerie. Alors, un régiment supplémentaire de dragons lourds anglais pour mon armée anglaise. Donc, figurine hâte. J'en ai déjà présenté. Alors, pas facile à peindre celle-là, vu la qualité des figurines. Essaye de sortir un truc correct, c'est pas évident. Là, sur la sellerie, je me suis pas trop embêté par rapport au premier que j'avais fait. Voilà, donc ça fera deux unités de dragons lourds pour mon armée espagnole, anglaise pour la guerre d'Espagne. Ce qui fera une armée anglaise à 300 points pour bataille Empire, donc déjà pas mal. Et pour Jomini ou pour Crispin Napoléon, c'est largement suffisant.
Et maintenant, la dernière. Avec des carabiniers français. Ça avait fait. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc les voilà, donc pince aux clés. Donc carabiniers, période 1805-1809. Une unité de cavalerie d'élite. De formidables cavaliers. Donc figurines à hâte, hein, ce sont des grenadiers montés que j'ai peints donc aux couleurs des carabiniers. Comme je l'avais dit dans le tuto peinture, hein, la sellerie n'est pas exacte, hein, puisque c'était pas la sellerie. Si c'était la sellerie d'un officier de carabinier, mais pas des cavaliers. Ça, j'en avais parlé dans la vidéo. J'avais dit aussi, bon, les chevaux sont un peu petits pour la taille des figurines, hein, parce que les carabiniers, c'était des hommes de grande taille, mais sur des chevaux de grande taille aussi. Voilà donc pour ces figurines, donc de la période napoléonienne. Et c'est en même temps, bah écoutez, la fin du tuto, hein. Du tuto. J'ai pété un boulon. Voilà pour la fin de cette revue de troupe. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous, évidemment. Et salut!